parce que l'objectif n'est plus le même. En quelque sorte, au premier tour, on choisit en gros son camp, et au deuxième tour, on élargit. Le but, c'est de rassembler les Français, de faire en sorte qu'une majorité de Français puisse voter pour sa candidature le 7 mai prochain. Il n'y a plus ni Front National, ni le nom de Le Pen sur la campagne, sur l'affiche, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même son prénom. Ça veut dire que Marine Le Pen dépasse ce clivage. Marine Le Pen ne sera pas la présidente uniquement des électeurs du Front National, c'est pas ça. Demain, Marine Le Pen à l'Élysée, elle sera la porte-parole de tous les Français, quel que soit d'ailleurs le choix qu'ils aient pu faire au premier tour.